Mes amis RTNH, nous saluons, nous disons bienvenue dans la 12e édition. Déroulement foire artisanat en fait nous connaissons, c'est une initiative du Nouvelliste et aussi de l'Institut de recherche de promotion de l'art qui réalisait Anessa encore une fois pour faire promotion pour culture haïtienne, promotion pour art, quel que soit le secteur que ben, artisan lui-même lui a évolué, nous permettre ou pral garder qui ça a fait. Et ben nous capable dire Anessa a gagné plus passé 187 artisans plus 25 nouveaux qui vini. Donc c'est une équipe qui pral permettre de suivre première journée déroulement et 12e édition foire artisanat. Non pas c'est Emmanuel Adorestal, moi accompagné de Gabi Victor que m'a salué, m'a dit est-ce que lui paré vraiment, est-ce que vous paré pour nous capable faire balade ça Gabi? Justement, et Emmanuela, bonsoir à tous téléspectateurs, téléspectatrices à Télévision Nationale d'Haïti. Nous paré, Télévision Nationale d'Haïti paré pour porter gros coquin chaîne à événement qui c'est artisanat en fait, et pas oublier que il y a un pile artisan qui a participé à ça, gagné artisan qui a sorti divers côtés dans capitale là, précisément gagné commune qui a participé tant pour quoi des bouquets, tant pour Pierrin, donc Léogane, tout qui a participé pour permettre que la population, bien tout le monde qui vient participer dans la foire, soit capable d'acheter et puis porter la caillou et puis mettre tout. Donc Emmanuel, la balade a commencé. Bien sûr, Gabi, et ouais, j'en se dit, là, il y a un paquet de villes qui participent toutes, comme Ville Jacmel, et Léogane aussi, qui participent, nous capables de dire, commune de Bel Air, qui a participé, chaque spécialité, yo. Donc, nous pourrons permettre de suivre, déroulement, première journée, ça, c'est toute une équipe qui mobilisait pour permettre, ou rafraîchir. C'est vrai que nous sous le soleil, Gabi, mais nous pouvons permettre aux téléspectateurs et Télévision Nationale d'Haïti pour suivre comment ça va aller. Parler avec artisans, balade la pral fête Kounia, parce que déjà, haïtienne, ça va. Justement, regardez. On a fait balade là ensemble. Voilà, on a continué. J'ai déjà annoncé lancer une balade dans le tabac, parc historique de la canne à sucre. Et Gabi, pour 12e édition foire artisanat qui a déroulé, nous connaît que c'est une initiative du Nouvelliste et aussi de l'Institut de recherche de promotion de l'art. Parce que Mounio a vive qui s'est gardé là, qui s'est gardé bien sûr. Et un paquet de belles bracelets, un paquet de belles grappes de cuillères, zanneaux, et côté que vous êtes capable de mettre des photos, ça crée l'encadrement, sandales Gabi. Et vous connaissez depuis moi sandales, c'est film, c'est zizirit Gabi, ou même par contre, c'est ça qu'on niveau, mais je suis une femme, donc j'ai une sensation que m'envie prendre toute bagaille là pour m'aller avec vous. Même pas faire ça Gabi parce que vous carrez les barres d'ailleurs. Justement, Emmanuel, de côté pas c'est sandales, même de côté pas c'est souliers, parce que je regarde les souliers là, c'est vraiment intéressant. Et n'a pas souligné tout que il y a un pile étranger qui débarqué dans artisanat en fête à Anessa. N'a pas rappelé tout artisanat en fête son activité qui était commencé depuis l'année 2007 et qui organisé chaque année. Donc Anessa encore une fois artisanat en fête présenté by possibilité à tout artisan yo permettre que yo capable perf et by offrir vio avec public haïtien. Donc Emmanuel là, on a continué avec les balades là et nous pour aller nous diriger nous vers un artisan qui a des produits que la profite. C'est des produits qui fait avec nous capable dire fil, c'est des produits qui fait avec toile tout. Donc n'a pas gardé là Emmanuel là, c'est vraiment intéressant hein. Très intéressant, Gabi, et moi-même d'habitude, je me connais à qui ça offre, surtout avec des fils, crochets, ou comprenez, un paquet de matériel que peut-être des gens qui sont habitués avec eux, ou bien des gens qui ne sont pas habitués ensemble avec eux. Gabi, bon quitte parler avec artisan Sali même qui exposé jeudi là dans première journée et pour 12e édition foire artisanat en fait qui est vraiment à fait et ben non la cour parc historique de la canne à sucre. On nous parler avec artisan. Oui, Emmanuela, nous pourrons parler avec artisan pour nous connaître, pour nous explication comment lui arriver réaliser œuvre ça yo et Télévision Nationale d'Haïti salue nous la caillou, nous débarquer la caillou pour nous connaître et pour nous permettre que le public la découvre. Bonsoir. Bonsoir.
Et avant de commencer, m'a présenté tête moi, nom c'est Michel Aristide. Moi suis un jeune artiste qui a évolué dans Kafoufei. Et je dis là c'est jour artisanal en fait. Bon, n'a pas suivre. Donc, est-ce que rapidement, on a fait un petit parler nous de produits parce que nous avons différents produits qu'on a exposés là. Faut petit parler nous un peu de produits. Moi-même, c'est tableau bouton fait. Tableau pas mieux exposé devant. Bon, par contre, c'est caméra passé sous eux. Et moi, j'ai différents tableaux qui exposés là. Chaque vlit dit un bagage différent. Vous comprenez? Mais nous avons un artiste Ronald là, parce qu'il y a une explication sur le flag, le tableau pas être. Tortellus Family. Artiste Ronald et Télévision Nationale d'Haïti, salut. Et FSAO qui ont exposé, font-ils parler de FSAO rapidement? Il y a un gros coup de chapeau pour Télévision Nationale. Moi, c'est Ronald Edmond. So, c'est comme si c'est un atelier là. Là, on va regarder, on va voir plusieurs F différents. Vous comprenez? Si on va regarder, ça c'est Ronald Edmond, ça c'est Edmond. Et puis, il y a plusieurs F qui c'est Edmond là. Et puis, il y a plusieurs autres artistes qui nous travaillent ensemble dans l'atelier. Mais pour réaliser un F comme ça, combien de temps ça prend, par exemple, ça n'a pas gardé là? Bon, pour nous réaliser un F comme ça, nous avons pris un mois, trois semaines, tout. Vous comprenez? Ça dépend. Je nous travaille, vous comprenez? Si nous focus chaque jour, nous avons fait non 20 jours. Vous comprenez? Mais si nous travaillons chaque jour, nous avons pris moi pour nous réaliser un tableau comme ça. Mais nous connaissons que il y a plusieurs communes qui participent dans l'artisanat en fait année ça ou même dans qui zone nous sorti. Moi-même je suis sorti dans Kafoufei. Atelier de délivrance. Nous là pour nous créer, pour nous voir qu'il tient monter parce que après bon Dieu Tortellus Family. Qu'il tient ça c'est plus gros force qui t'a existé pour nous. Mais pour qu'on y a, nous pratiquement voilà midi, une heure, comment journée est pour vous? Bon, journée, nous pas qu'on fait vente à cause des gens système paysan. Bon, moi qui visite qui peut t'a venu ou pas venu, parce que comme je dis en ces premiers jours, nous pas qu'on est qui j'en démets à pied. Mais ça sort dans le système paysan. Parce que l'insécurité, bah, ça. Sa cause, j'ai pour mon yot a fini, yon ti j'en inquiété. Donc, vous estimez qu'on ti ratement tout petit, mais on espère que demain, kababa pi bon que jodi a. Oui, m'pense demain se fika pi bon. Mais ou vende déjà, gen quelques produits qu'on vende déjà pour journée? Bon, nous pouvons faire aucun vente. M'ba konne pour demain, pour après-midi, mais nous pouvons faire aucun vente actuellement. Eh bien, Télévision Nationale d'Haïti, remercie pour cette interview. Ça, j'en suis capable de constater les téléchers, téléspectateurs, Emmanuel là et nous te bail. Écoute présentation avec artisans nous qui parlent nous un peu de comment Junior est capable bien pour lui. Donc Emmanuel là et n'a continué à balader. Donc n'a pas avancé. Actuellement, on a regardé des chaînes que peut-être moi-même, je ne connais si pas quoi m'habituer ensemble avec eux, non. Mais c'est des chaînes qui faites avec des petits perles. Est-ce que je me trompe, moi? Perles d'Haïti. Et me rappelez, moi, personne ne rencontre de mal en province. Oui, parlez-nous, dis-moi qui bon ou même ou joigne. Je me regarde dans le coup là, une belle chaîne, une super chaîne. C'est une nouveauté. Voilà, je t'ai parlé de nouveauté, je pas ouais sous table là, ça qui passe. Ah, voilà. Non, pas extraordinaire. Il est vraiment belle. Donc, téléspectateurs capables de vivre qui Jean et nouveauté ça yo. Et il y a pas mal de nouveautés à Nessa que vous exposez. Rapidement, dis-nous, non, est-ce que c'est première participation? Non, et voilà. À Nessa, moi, rentré avec collection africaine qui c'est pareil collier qui n'en coume, non? C'est ça. Comment vous appréciez accueillir un nouveau produit ça? Bon, pour le moment, pour qu'on vraiment gagne monde, c'est quelques monde qui viennent. Bon, on a suivi, on a attendu. C'est un atelier, nous gagnons nous? Oui, c'est M.J Production. M.J, qui signifie qui ça? C'est merci Jésus.
Oh là là, original. Merci Jésus, c'est production madame. Donc c'est vraiment intéressant qui vient avec pas mal de nouveautés à Nessa pour 5e participation li dans 12e édition Fort Artisanat et pour nouveaux produits. Moi-même si m'ta besoin chaîne comme ça, combien m'a payé? 1500 goud. 1500 goud que m'a ka payé. Donc li gen zano. Non, parce que on a une chaîne dans extra. On pas capable faire 11 ans qui vraiment aller comme si 11 ans qui fait avec même grain rocailan perle rocailan obligé me bali avec un petit point ou bien quoi petit pendentif météan pour monde pas tellement trop flashé. Rapidement, dernière question, ou t'as parlé petit grain ça yo gen en pile yo connait le petit grain l'église ma connait en province. Donc dis-moi non et li facile pour joindre Jacmel? Yo gen saison. Okay. Qui bon joignou et samba wash parle nous côté nous joignou. Non, plante dans l'île. OK, c'est là, yo kon bon c'est vrai me voye chercher. M'pa ka vraiment dire vraiment est-ce que c'est en bas wash tout ça même connaît que c'est bon rivière li. Donc c'est là dit son produit que et c'est chaque saison que ou a gagner pas tout le temps puisque matériel qui gagne là ou pas joni facile. Non, c'est pas ça. C'est une plante liée, on connaît chaque plante yo gagne saison pour fleurir, pour faire graine, mais là yo fait graine en pile ou profiter gagne bon coup pour gagne en stock et puis pour travailler. N'a continuer faire balade là, nous a gagné plusieurs monde qui a vraiment et manger et garder parce que parc historique vraiment long, vraiment large et moun yo fait cap vini donc gen toute journée là pour yo capable et parler ou comprendre acheter. N'a pas de paquet de mesdames yo là. Bonsoir mesdames. Eh bien, mesdames, bien manger, monsieur, que nous pouvons l'acheter? Oui! Bien sûr! Voilà, ce sont des demoiselles qui viennent participer dans la foire là. Et je pense que nous-mêmes, nous avons continué à faire balade là. Là, je regarde un produit qui est vraiment intéressant. Et il faut que je parle avec moun qui a fait produit ça. Et moi content parce que moi nan cuisine et l'homme dit nan cuisine m'a regardé toute évolution étape 1 étape 2 pour produire ça. Monsieur Télévision Nationale, salut, comment est? Oh bien, comment nous est? Nous en forme mais rapidement, est-ce que c'est un atelier ou bien est-ce que c'est une exposition que vous avez fait là? Non, ça c'est un atelier. Simon pour nous apprendre à modeler argile. C'est vraiment intéressant. Donc, si moun qui avec vous là, c'est vous qui apprenez. Oui, c'est moi-même qui initie vous dans l'argile. Ok, vous avez des petits moun déjà que vous faites? En pile, pendant deux jours, on a recevoir en pile. Il y a beaucoup de vini, il y a cap travail qui peut aller, il y a cap vini. Par jour, nous avons recevoir n'importe 400-500 par jour. Passer, aller, vini. Qui j'en nous fait ça? Nous créer. C'est pas dans wap travail là, et puis, imagination vini, on dit wap fait pour wap fait. Là, m'a regardé son banane. Pas vrai? Son banane, m'a regardé là. Donc, dis-moi, est-ce que c'est Timounio qui imagine ou bien c'est vous-même qui dit au fait avec argile là? Vous, Mounzao qui devine là, c'est des miettes, moun qui bebek par contre parler. Oh là là. Mais yo estime, yo, vu que moi-même, moi pas parler langue, même j'ai avec yo, c'est ça qui est plus facile pour yo. Non, idem me fait yon, le fini yo s'exprimer yo réaliser banane. C'est vraiment intéressant. Est-ce que y a moun qui ouais ça va faire qui aidant parce que travailler avec ti moun, travailler avec des moun qui peut-être gon déficience, li pas facile. Est-ce que des moun qui a pédo? Oui, initiative ça c'est une initiative que l'ONAT et c'est un branchant dans ministère affaires sociales qui mettait initiative ça sous pied juste pour nous chercher talent génial parce que les noms agile la gon produit qui guide en fait qui finit non pas qui jeune fait qui étape il passé qui côté de sortir rivé là c'est peut-être ça nous mettait atelier ça là pour si nous capable bon idée des produits là caillou qui ça agile là capable faire qui ça nous capable faire avec gen moun ki wel ki n'a pensé c'est jouet seulement nous faire avec son terre mais non son bagage qui grand pile cob là dans son ou regarder là c'est pour ça ouais ti moun nan vini là il dit quête n'ta réaliser tel bagage oui. Et puis idéal gagnant moi même moi là pour m'orienter pour me permettre de travailler que les gagnants. Donc pas la tibide ça. Bonsoir ma belle, pour femme. Oui. Qu'est-ce qu'on fait là? Je on va le bouil? Oui. Oh faut bouil pour me ca joindre oui. Oui. OK, ça c'est chaudière? Oui. OK. Et on va faire là, c'est ou qui imaginer ça faire hein? Ou bien c'est professionnel qui doit faire? Professeur. Ah très bien. Donc vous aimez manger Jésus en pile? Oui. Bon bagage ça Jésus pays. Oui. Merci. J'espère que vous faire l'autre produit. Oui. D'accord. Qui j'aurai les? Jules Saint-Julien. Qui classe vous faire? Deuxième année. Félicitations. Bisous.
Voilà, c'est un petit monde que eh ben, monsieur lui-même lui a travaillé avec lui. Où est-ce que vous avez? Oui, moi c'est Pierre Junior. Okay, Pierre Junior qui est dans l'atelier. L'atelier c'est Junior Poterie. Junior Poterie. Ça se trouve à Marin 36. Ok. Merci Junior, continue à travailler Timounio parce que ça est vraiment important. Gabi, par contre, où t'es édifié, où t'es béni dans ça, nous t'as regardé là, on Timoun, nous comprenons qu'il a imaginé puis il a fait un travail. Il a mes yeux bouillis en pile, donc ils font yeux bouillis, Gabi. Justement, Emmanuela, c'est un objectif artisan en fait, c'est esprit créatif car artisan yo et là nous gagnons des jeunes qui déjà commencé initier nos affaires artisanat en ce qui concerne avec Agi de commencer à créer des œuvres capable dire artistiques. Donc c'est comme ça ambiance là au niveau parc historique de la canne à sucre et n'a pas rappelé Mounio que d'après responsable toujours dans dernière conférence que tu bail mercredi 7 novembre là hein, Emmanuela côté Franz Duval ainsi Max Jovet t'es mentionné que a gagné à peu près 12 000 élèves que des ça ne c'est pas seulement élèves gagnent professionnel Gabi gagnent nous capable dit des universitaires écoliers je sais dire qui a participé 12 000 donc ces jeunes qui presque une carte qui commence déjà donc si nous a venu nous rencontrer un paquet tout à l'heure là et Gabi ce n'est que la première journée donc n'a pas pour deuxième journée Gabi n'a pas continué faire balade là. On a continué à faire balade là parce que il y a un paquet de produits. On a regardé là, c'est des tableaux qui fait peut-être avec des perlages, avec peinture. Et c'est vrai que nous pas quoi et monde qui fait là, mais Gabi n'a fait mon suivre à travers image nous et image Junior qui a blagué. Belle image pour nous là, donc c'est toute une équipe qui mobilisait pour permettre de suivre 12e édition foire artisanat et ben qui a fait non la cou parc historique de la canne à sucre. Faut nous et mentionner encore une fois pour nous dire que d'après responsable en l'occurrence et Franz Duval et Max Chauvet qui c'est responsable le nouveliste eh ben yo parlé nous yo dit nous que gagné près de 187 exposants ou artisans et puis 25 nouveaux c'est-à-dire première fois que y a participé actuellement là nous on a regardé des képi oui c'est pas chapeau képi maillot qui fait avec des peintures extraordinaires Gabi bam qui doit parler avec artisan Hello Design c'est vraiment intéressant donc yo prend képi OK yo fait peinture c'est vraiment extraordinaire yo prend maillot yo fait peinture et n'a regardé une madame là qui en plein dans le mine travail là madame belle madame comment y est nous saluons ou tellement regardez figé dans son affaire j'ai l'impression je te dérange pas vraiment non bonjour OK son affaire là c'est où qui marqué ou bien c'est des par contre principe que atelier a gagné mais ça n'a marqué tout ça non à la base moi viens avec quelque chose et puis moi viens avec l'autre képi que mon yo ka choisi ça ouvre par exemple mon vini tant que ça lui mandé m'écrire non pour lui moi fait la vienne pour tout à l'heure donc tout l'autre monde qui voulait venir proposer du sur place yo ka juste passer ouais nous et puis nous gagnons plusieurs marques là tout nous gagnons qui t'aime vivre nous gagnons long sleeve yo passer checker le design et le design c'est plusieurs jeunes qui a travaillé là-dedans c'est un atelier oui c'est nous plusieurs gagnons qui fait peinture gagnons qui fait là nous tout qui fait peinture sur bouteille donc quand j'ai tout ça besoin le design nous gagnons longtemps que n'a travail oui nous gagnons longtemps année ça fait nous 5 ans mais année ça c'est 4e participation nous dans artisanat en fait qui j'en ouais et ça y est à travers mon yo qui vient demander nous et font ti garder caricature dans chapeau ça ou bien dans maillot ça comment ouais mon yo apprécier ça encore une fois bon comme d'habitude nous bien content que mon yo bien apprécier travail là mon yo bien réagir et puis après nous nouveau client qui nous qui là ça c'est bien que le Marie Olga Marie-Olga, c'est lui-même. La vie pour tout à l'heure comme ça. Combien quoi vous faites pour lui? Vous faites pour lui à 350 gouttes. Et puis, la vie nous récupère tout à l'heure. Ok, ben Abdou, merci et félicitations pour l'initiative ça. Et belle madame. D'accord. Voilà, Gabi, par contre, sous remarquer qualité.
imagination et tout ça qui a fait à travers de artisans, yo vraiment pensé, yo vraiment a innové à travers de produits que y a offri. Donc nous gagnons pour nous vendre toutes et à l'échelle internationale bien sûr pour toutes étrangers parce que nous en pile et qui vini acheter en pile qui vraiment et dit nous eh ben moi même pas qu'à quitter 12e édition ça a passé faut moi vienne acheter pour moi porter dans pays malé. Donc on mon a regardé le dans salon en Gabi l'a dit ça c'est un produit qui sorti Haïti, ça c'est un artisan haïtien qui fait. Donc parce que c'est très intéressant pour nous capables vendre production et c'est ça initiative là et que chaque année le Nouvelis a que capable dit institut de recherche de la promotion de l'art a fait chaque année pendant 12 ans pour vendre produits locaux que n'a regardé là un paquet de tableaux et qui vraiment intéressant amis et téléspectateurs télévision nationale d'Haïti c'est vraiment intéressant pour nous vendre produits parce que et pas oublier que au monde qui connaît que lycée yon kap di yon citoyen de pou pa konn originalité de pou pa konn kote soti et ben ou manke identité ou bien pa gen identité du tout Gabi. Oui justement Emmanuela Jean que wap bien Jean que télévision nationale d'Haïti a décrit ambiance là au niveau parc historique de la canne sucre qu'on a rappelé nous pratiquement alors c'est 12e artisanat en fait a organisé année ça ambiance là gen moun k ap vini timidement et gen moun ki deja vann des produits artisanal donc pour le moment nous devant yon table là nous gen avec nous Jean-Louis Gersino donc télévision nationale d'Haïti salut rapidement nous wè ou gen des tableaux qui exposé là également et tableau ça yo ka ban nou quelques explications de yo. Bon oui ce sont des tableaux moi gen sou tableau là c'est pièce en argile. OK, qui fait avec argile, c'est pièce céramique et puis nous gagne tableau ça, c'est tableau peinture. Donc nous connaissons que gagne plusieurs communes qui participent dans artisanat en fait ou même précisément qui côté sorti. Moi je sorti à Delma. Et depuis qu'il est au fait travail ça? Bon, quinzaine d'années. Mais une quinzaine d'années, mais combien fois au même on participé dans artisanat en fait? Ça fait moins 8 ans de ma participer. Et pour Jodia, comment trouver journée? Bon, Jodia, c'est le premier jour, c'est le lancement, on attend. Journée avant qu'on finit. Est-ce que ça t'a dit qu'il y a des gens qui passaient, visiter déjà ou bien acheter? Oui, il y a toujours des gens qui passaient, des gens qui passaient garder, ils ont tourné, mais on attend. C'est pour deux jours. Mais on a regardé le tableau qui est peint. Donc, un tableau, ça y est, environ combien de temps ça prend pour réaliser un tableau comme ça? Comme on connaît le travail, c'est pas un grand tableau de travail pour compter, ok? Ou bien doit travailler peinture et pour mettre les couleurs sur n'importe 12 tableaux en même temps, mais qui n'est pas fini. Ça doit prendre 2-3 semaines pour finir une douzaine de tableaux. Vous comprenez? Je regarde là tout, un tableau qui est censé être surréaliste. Donc, un tableau ça, et moi, j'ai un temple là-dedans, j'ai un. On tête dame la donne au cas ben on détaille sur tableau ça ou bien ça t'a inspiré ou écrit tableau ça. OK, ça c'est un tableau j'en dis naturaliste et on a rentré comme si qui cap recevoir un message. OK, quand trans cap recevoir un message et message là c'est qui ça? Bon, c'est à dame qui t'a pour qui message à recevoir. OK, mais pour un monde qui t'a aimé gain accès avec tableau ça ou t'a aimé acheter tableau ça combien cobre ça ca coûter? Bon, yo varié. Chaque tableau varié. Tant qu'on regarde derrière domaine là, ça c'est pour quoi d'émission? C'est un pour côté que yo censé à pour faire, ça veut dire plus que me connait pas le craser, nous pas bien ça encore et puis me reproduire moi-même. Vous comprenez? Mais il varié. Ça va dépendre de qui dimension mon a besoin. Comment y est? Très bien nous-mêmes. Nous en forme, rapidement, dis-nous, produit ça, qui ça y est et qui côté ou sortir ensemble avec vous? Ok, produit ça, c'est NAP. C'est NAP, nous fait tout ça, nous venons exposer pendant deux jours, tout ça, en fait, là, pour nous faire ouais, talent, journaliste, et tout. Comme si nous venons exposer là, nous sommes full là, nous sommes beaucoup grand plus de monde qui vient, mais nous pensons aux environs de 4 heures. Il y a full là, il y a venu garder, il y a acheter tout ça. Ce n'est pas moi-même qui crée, mais il y a un monde spécialement qui crée. Qui crée, ce n'est pas nous acheter, nous venons garder, c'est pas nous créer. Nous avons créé et puis nous venons exposer.
dans l'artisanat en fait pendant la période ça. C'est première participation nous. Tortellus Farm. C'est pas un atelier, c'est un bagage. J'aime dire ça. C'est pas un atelier, pour une production. C'est un bagage qui fait une production. C'est sur comment tout ça. Alors, nous là, on travaille pour tout le monde qui a besoin, on travaille pour eux. Côté nous sortir avec produit ça, côté nous faire, côté nous stable. Pèlerin 5. Nous stable Pèlerin 5, c'est Pèlerin 5 qui fait produit ça, et puis nous venons avec, nous venons exposer. Nous gagnons non, produit ou gagnons non? Produit ou non, nous beaucoup baillons non. Mais quand même, nous pensons que dans deux jours, nous baillons non. Nous à peine lancé, ça t'avait dit? À peine lancé, nous venons exposer, nous, première participation. Nous. Oui, c'est comme ça, ambiance là, amis. Téléspectateurs, téléspectatrices, télévision nationale d'Haïti, gain pile va-et-vient qu'a fait, nous constater plusieurs mondes qu'a fait va-et-vient, élèves, nous capable constater tout, nous constater des étrangers qui débarquent, exposition toute qualité exposée au niveau parc historique de la canne à sucre. Donc sont beaucoup qu'une chaîne activité. Et nous avons rappelé, d'après responsable, il fait qu'on est que nous parlons de responsable, nous voulons parler de Max Jovin et François Duval, qui sont deux personnalités qui sont très actives dans l'activité, ça, qui mentionnaient gagner bien sûr 187 artisans qui participaient à ça, parmi eux 25. Nouveau participer à l'ESA. Non, artisanat en fait, il y a Croix des Bouquets, il y a Camperin, il y a Jacques Mel, bon paquet, il y a Léo Gann qui participe tout. Non, artisanat en fait, Emmanuel. Donc, c'est comme ça, ambiance là, balade là, continue. Et nous déjà passé en pile côté, Emmanuel. Donc, nous avons continué à faire balade là. Là, nous pratiquement. Dans l'autre catégorie exposition, nous avons les trois petits gourmands, une passion sans âge. Une passion sans âge. Donc, c'est comme ça, ambiance là. Et va arriver, continuer à faire. Des gens qui ont dialogué ensemble avec l'autre monde. Les amis font déplacement. Donc, c'est comme ça, ambiance là. Et là, nous sommes capables de constater tout divers tableaux et nous garder des bouteilles tout qui peinturées et nous pas connait qui ça voulait dire peinturer suivant différentes couleurs que utiliser. Mais moi-même comme moi connait quelques idées dans question peinture, nous est en pile peinture surréaliste. Donc ça faut gagner en pile. Il faut capable de décortiquer qui ça tableau ça au tableau dit. Yon première journée qui démarrait assez intéressant et que Timon n'a pas oublié que responsable te dit que gagné près de 12 000 élèves mêlés avec étudiants et professionnels qui jouent une invitation pour participer dans la 12e édition et foire artisanat en fait qui a fait encore une fois dans la coupe historique de la canne à sucre. Une nouveauté, nous parler ensemble avec Mounio, nous avons un paquet de nouveautés qui est vraiment intéressant. Là, on a toujours gardé des tableaux et des tableaux qui sont très original et qui fait avec des peintures et des mounes. Nous avons dit, comment on appelle ça, calbas, cuit. Bon, on a dit ça et Gabi. Donc, on a gardé là, oui, cuit. C'est des cuits, bien sûr, qui est extraordinaire, Gabi, où les gens ont fait l'un. Donc, des bambous aussi qui peinturent assez extraordinaire. Donc, c'est vraiment intéressant. Chaque monde c'est un artiste non catégorie ou yon l'autre ou te mettre chanteur et Gabi ou te mettre c'est artisan ou te mettre c'est un peintre ou te mettre c'est un danseur ou te mettre c'est quel que soit et ben artiste que ou yon secteur ou évoluer et ben ou gen place ou et surtout ou capable vendre produit haïtien ou comprend même je n'a dit compas c'est pour nous lier c'est compagnon Jean-Baptiste donc nous capable dire aussi peinture là c'est pour nous lier c'est la caille nous sorti et nous que gagne un peu monde qui pas vraiment consacrer les peintures mais peinture c'est des bagages extraordinaires donc là on regarder monde il prend sang pour la paix et voyer et des calligraphies là
nous capables si extraordinaire. Donc c'est vraiment intéressant pour nous féliciter, encourager moun sa yo qui a travaillé pour production nationale la montée piwo Gabi et nous-mêmes nous capables si télévision nationale d'Haïti a permis tout téléspectateurs yo suivre en gros comment première journée pour 12e édition Fortuna Sali même li a déroulé toujours remet dire dans la cour parc historique de la canne à sucre yon artisan yon exposant nous capable di nous saluons et ou sou télévision nationale d'Haïti donc nous ouais je dis là ou exposer plusieurs produits rapidement est-ce que c'est première participation bonsoir Maïla. Bonsoir tout téléspectateur qui a regardé Artisanat en fête. Donc vraiment jodi a c'est premier fois nous participer à Artisanat en fête et nous pral gagner tout première année nous. Donc nous pral gagner le 12 a fait création un an depuis que nous te mettez le sous pied donc c'est premier participation nous parce que nous comme si nous capable dire nous sommes nouveau-nés dans le secteur donc c'est ça fait c'est première fois nous venir là. Jusqu'à présent nous senti bagay yo là moun yo commencé venir et nous penser vers après-midi bagay yo capable mieux et nous content là ensemble avec nous. Bon j'en a regardé table là nous gagner zano nous gagner bracelet nous gagner collier nous gagner des bousses mais ces produits vraiment que nous fait avec des tissus côté que nous pas fait bijoux avec l'autre bagaille que tissu jeans recyclé wax africaine donc c'est comme ça nous travaille nous fait produit que nous gagnons nous-mêmes. Est-ce un atelier ou bien une entreprise qui s'allie est-ce que c'est pour qu'on doit travailler ou bien il y a des monde qui est avec ou qui travaille? Bon, je me dis que c'est un semi-atelier, pas un grand atelier, parce que c'est comment nous faire, et puis quand on a, nous prenons rendez-vous avant, nous faisons un produit, mais nous pouvons vraiment un grand atelier, côté que les gens vraiment passer visiter nous, mais bientôt, nous travaillons sur ça pour nous gagner. Merci beaucoup, merci. Merci, Diana. Yon lot haïtienne qui a produit ça qui est le produit artisanal. Donc, rapidement, dis-nous qui sont exposés jeudi pour première journée pour artisanat. Donc, pour première journée et demain, tout n'a pas là, nous exposer des mouchoirs, tout ça qui est dans la tête. Là. Donc, c'est ça que nous faisons, compagnie, c'est créative. Et c'est ça, nous faisons mouchoirs avec bandeau. Depuis combien de temps créatif existe? Créatif existe depuis maintenant un an et demi. Donc l'année dernière nous étions là déjà, donc c'est la deuxième fois qu'on a participé. Et qui j'en ouais déroulement pour première journée fois là comment ouais mon yo et enthousiasme ou bien yo pas vraiment et fini en pile pour acheter produit comment ouais ça y est pour mon yo cap venir. Jusqu'à présent moi pas pour me plaindre parce que moi très satisfaite parce que le journée à peine commencé il y a à peine midi donc nous avons 2 heures de temps que nous commencer et jusqu'à présent moi c'est très bien pour créative. Parlez-nous de produits que vous exposez parce que nous voyons que c'est des mouchoirs donc dis-nous est-ce que c'est mouchoirs que nous mettre sous table sous non c'est mouchoirs pour cheveux même j'ai ça qui est dans la tête mais là c'est pour marrer cheveux. Seulement, vous exposez mouchoir pour cheveux? Oui, c'est ça que vous exposez. C'est vous-même qui faites ou bien c'est tissu que vous achetez ou collez tout ça? Parlez-nous de qui j'en fais. Normalement, c'est tissu que nous achetons dans plusieurs côtés à travers le monde. Nous achetons tissu, découpons tissu et puis nous avons un atelier côté que vous faites couture là et puis ajouter quelques petits détails là-dedans. Vous apprenez mon mari tête? Oui, moi apprendre mon mari tête. Okay. Dis-moi non, et mouchoir ça si on a besoin posséder yon là d'ailleurs, c'est qui combien cob? Et prix c'est 1000 gourdes, 1250 gourdes avec 1500 gourdes. Ça dépend de tissu, c'est ça? Ça dépend de tissu parce que nous avons différentes collections, nous utilisons différents tissus pour yo, donc c'est ça qui fait prix varier. OK, un message pour vous et tout le monde qui poko descend parc historique. Eh ben n'a dit tout le monde que n'a tann yo jodi avec demain, nous là jusqu'à 6h du soir, n'a tann tout le monde et pas songer pas c'est bon côté table créative. Nous avec encore une fois yon l'autre femme qui exposé dans 12e édition Fo Artisanat. Rapidement madame télévision nationale salue ou li di comment y est ça qui passé pour exposition jeudi. M'a dit tout bon bonsoir, m'a dit TNH bonsoir et merci tout du fait que tu es présent pour artisan aujourd'hui hein. Et Jean nous est là aujourd'hui tout bagarre en forme, nous commençons très bien, tout bagarre bien passé, au contraire, on connaissait toujours un succès artisanat en fait chaque année. Donc nous-mêmes en tant qu'artisan, nous étions positifs pour nous capoter bon bagarre pour clientèle là et pour nous offrir des spectateurs un bon bagarre pour eux. Moi même je parle là oui, n'a bien passé. Donc je dis là qui ça vous exposer et pour 12e édition ça.
Bon, année dernière, c'était bijoux, seulement que je me présentais. Mais année ça, je disais, me présenter bagaille pour tout le monde caché. J'ai des coussins, j'ai des bijoux, j'ai des barrettes, j'ai des porte-clés, j'ai des plumiers que les élèves m'ont fait. Et que nous avons un atelier tout en fonction. Et atelier en tout présenter produits, ce n'est pas seulement moi-même, seulement de présenter talent et tout. Nous avons pas de bidon, bagaille, on mettait bidon pour, comme si pour café. Et mettez pour le bidon à dégoûter pour absorber de l'eau. Nous avons belle petite porte, belle bagaille comme si tout le monde a acheté. Vous parlez de atelier. Combien de monde nous avons qui travaillent dans l'atelier ça et combien de temps nous avons depuis que nous existons? Bon, je nous fonctionne dans l'atelier. Hein, ou qu'on est là où atelier où du travail employé. Donc nous terme nous même nous dit atelier, nous dit un type de collaboration. Ok, donc apprentissage à fait et nous collaborer après. Donc tout le monde qui collabore avec nous, yo car on produit, yo bagaille en crochet. Donc il y a un nombre de personnes illimitées parce que nous-mêmes nous faisons recrutement chaque année, nous apprenons, nous faisons crochet, nous apprenons, nous produisons des bagages. Donc c'est ça que fait nous pas dire, cap travail, nous dit en collaborer avec nous. Donc c'est vous-même qui êtes responsable atelier ça. Oui. Ok, rapidement, avec qui ça, on a regardé un paquet de belles chaînes là, un paquet de belles anneaux. Dis-moi nous avec qui ça vous faites parce que j'ai une chaîne que c'est la première fois que m'apprenons. Oui, collection ça pour m'ka di et c'est moi seulement qui fait yo modèle ça yo. Il gagne un nom? Oui, yo gagne 50 collections et malheureusement m'a fait tous les 50, m'a bien fait tous les 50 collections yo. Donc à matériel en base de matériel que me fait yo c'est fer, couche, fil crochet et puis m'utiliser aiguille. Bon paquet de matériel, ça va dépendre de qui inspiration que me gagne dans moment. OK, et ou pas depuis combien de temps nous existe ou travail dans atelier? Oui, m'a travaille depuis 6 ans parce que ou connaît et n'a fait effort pour nous kembeli pour nous toujours satisfaire clientèle là. Jusqu'à présent, on est satisfait de première journée, bien que nous fait carré et recevoir moun dans parc historique. Bon, oui, me satisfait. J'aime tout pour motiver pour venir faire artisan et apprécier et faire artisan yo content de début journée. Donc, jusqu'à présent, pour moi-même, ça va. Chen yo gen prix, zan yo gen prix, pot kle yo, c'est bon moun. Si ap desen koun ya pou yo vin acheter, c'est comme kob yo met tout pare pour acheter. Oui, yo gen prix gen a partir de 50 goud jusqu'à 1750 goud. Pot kle yo gen pot kle ki 50 goud jusqu'à 250 goud. Gen barrette ki a partir de 100 goud jusqu'à 350 goud. Ça dépend de ki quantité wap pran. Mwen gen plumier, bay pou mete plume pou maquillage. De toute façon, moun nou vin a 500 goud wap soti an bagay nan même la. Eh ben, nam zo bon vote. Merci beaucoup à Télé-Nationale. Nous, c'est José Blanchard. Avant que je profite de saluer tous les téléspectateurs de la Radio-Télévision Nationale d'Haïti et avec un ensemble d'associations et organisations tant qu'on a l'Association Nationale des Artistes Haïtiens, Haïti 101% et ensemble groupe jeunes qui aident et réaliser qu'aucune chaîne comme ça. Je profite de remercier Mme Martine Blanchard et pour qu'aucune chaîne initiative ça avec le Nouvel Island, M. Chauvet, et pour ne citer que cela, et qui ont espace pour jeunes artistes, pour jeunes talents haïtiens exposés, pour vendre tête, pour vendre produits. Parce que de nos jours, nous sommes gonflés au côté que crème pays a censé pour aller. Nous sommes capables de faire partie de la promotion, c'est à peine nous cinq qui ici. Il y a tout le monde, il y a le Canada, il y a le Chili, il y a le la France, il y a le États-Unis. Je pense, et pour me répondre rapidement, oui, c'est celle œuvre m'exposer. Et chaque homme vient dans le parc comme jeune artiste et comme un grand jeune artiste, c'est toujours une explosion de bagaille. Non seulement je inciter la création artistique, parce que nous, ouais, et même nous toujours gagné horreur, chaque homme mal non foi artisanal, nous toujours ouais, c'est même pas qu'à répéter. Nous venons avec de nouveautés comme ça pour artisans capables même inspirer de ça me fait pour venir avec une nouveauté, pour capable enrichir. Haïtien pour capable enrichir artisanat haïtien, pour capable enrichir production yo, pour capable et vivre mieux de ça qu'on fait. Combien de temps vous avez fait pour réaliser statut ça ou bien monsieur le révolutionnaire? Combien de temps vous fait parce que vous parlez nous paquet de bagages là qui vraiment fait partie de pays hein, que nous connaissons à travers ces jeunes nous connaissons. Pays elle-même li a subi nan ki impasse que lié. Combien de temps ou fait ou a inspiré pour capable faire ça tout ça? Bon, concrètement, temps m capable et subdiviser temps en deux parties. Il y a une partie, je pourrais dire et ouais, quand on va penser Evelyn, ouais, une partie imaginative pour concevoir Evelyn sur le plan virtuel, ouais, après et partie ça aller prendre presque 4 ans
parce que c'est depuis après fin fait ministre de choléra, une œuvre qui a été commandée par monsieur Jean-Baptiste et qui est installée du côté de Port-Salut. Et depuis l'en fin fait œuvre ça, moi commencé à inspirer ma travail le révolutionnaire qui jodi am vin accrocher. Ça veut dire conception œuvre la prend presque 4 ans, mais réalisation œuvre la prend 2 mois. Il prend 2 mois à cause de l'équipe moi parce que œuvre ça en temps normal son œuvre qui t'a supposé prendre au moins 4 mois pour réaliser. Ouais, puisque mon équipe qui est solide et qui est prêt pour suivre moi dans quelque soit initiative en termes de création artistique, yo vinn de moi œuvre la prend seulement 2 mois. Combien de jeunes nous gagne avec ou est-ce que c'est vous même qui formez ou yo ou bien yo juste avec ou pour nous travailler sur tout ça qui gagne rapport avec culture haïtienne. Étant que jeune artiste intellectuel et professionnel d'Haïti, nous toujours prend le bon plaisir à faire formation pour jeunes. Ouais, me former jeunes dans le nord, me former jeunes dans le sud et partout dans le pays. En fait, jeunes ça gagne là dans qui rejoignent moi dans atelier et gagne tout qu'on habitué travailler avec des professionnels tant que monsieur Ludovic Bose de Goethe mémoire qui était mon ancien professeur et André Sophie également. Ça veut dire monsieur Sayo, j'ai tout fait partie de staff moi, quelque chose ça m'a fait, l'aime gagne contrat là même, j'ai touché, l'aime pas gagne contrat quand c'est un travail qui concerne la réalité du pays ou bien qui met le problème du pays en relief, ils ont embarqué avec. Ça veut dire, next ça, on m'a dit, on gros coup de chapeau, ou bien Ronald Zami Pam, ou bien Serge, ou bien Nene, tout monsieur ça, même pas de quoi pour me payer. Ouais, ça m'a dit, et ça, même, je suis capable de me devant la caméra aujourd'hui, parce que pour m'accoucher une œuvre comme ça, pour m'acheter matériel seulement, il coûte $30,000. Et ça veut dire, et réalisation artistique, censé pas de prix. Ça veut dire, si je achète $30,000 de matériel pour me faire, ça veut dire, un monde qui a venu d'aide, je suis supposé payer 30 fois $30,000 de matériel. Ça veut dire, si je 5 personnes qui aident, ou est comme ça qu'a fait. Ça veut dire, je pense que c'est grâce à eux-mêmes qui fait, nous sommes capables de contempler le révolutionnaire. Ça, là, qui porte un message clair, il y a l'esclavage mental, parce que nous voulons pour Haïtiens décoloniser mentalement. Et colonisation mentale, là, pas concerne seulement les gens qui ont un corps, mais concerne les gens qui ont un corps bientôt. Un monde qui a un corps qui est d'accord. Pour la vivre pendant le monde qui va côté la classe, ça veut dire parce que mentalement le colonisé. Ouais, un monde qui va gagner comme d'accord pour vivre dans la classe qui va revendiquer, mentalement le colonisé. Ça veut dire si tout le monde ça yo d'accord pour décoloniser mentalement, laisse un abou Haïti qui prospère, laisse un jeune qui a suspendu dans le Chili, qui a suspendu dans le Brésil, professionnel qui a suspendu perdu matière grise qui vient dans le pays, laisse à toute matière grise pour le mettre au service de la nation. Moi, c'est grosso modo, c'est ça. Ok, merci bien. Voilà, amis, Télévision Nationale d'Haïti, nous arrivons dans la première journée, côté que nous avons participé, nous avons fait vivre de très belles images pour la 12e édition de Gabi Victor, côté que nous boit de l'eau, nous boit fresco, nous mangeons baba papa, lalo, vous comprenez? Produit local Gabi qui fait la caille nous, donc nous t'es vraiment fait tous les spectateurs. Télévision Nationale d'Haïti vive comme en première journée ça pour 12e édition et fort artisanat et comment l'étape déroulée, un paquet d'artisans est vraiment exposé. Gampil qui peut convenir parce que c'est deux jours, 10-11 novembre 2018. Gabi, par contre impression, par contre qui sera dit les spectateurs qui t'a suivre comme en première journée ça, les mêmes étapes passées. Encore une fois, Emmanuel, c'est une journée qui était vraiment intéressant côté que nous t'avons visité différents tables qui t'ont gagné dans la 12e édition artisanat en fait. Et d'après témoignages, nous gagné plusieurs témoignages qui font qu'on a le monde, qui font qu'on est que nous satisfait de la journée, bien que nous avons l'autre monde qui a venu tout pendant la journée. Mais d'après constat nous tout, nous remarquons en pile sandales, en pile collier, en pile divers produits qui sont arrivés. Exposé. Exactement, Gabi, il faut rappeler pour téléspectateurs, Télévision Nationale d'Haïti, côté que tu as gagné plus de 187 exposants, 25 nouveaux nouveautés, bien sûr, bien nouveaux monde qui a participé dans la 12e édition. Ça, gagné près de 12 000 élèves professionnels et universitaires qui te recevoir invitation à travers responsable pour te capable permettre yo vini ben visiter yo vini participer dans deux jours 10 et 11 novembre 2018 là. On paquet nouveautés qui année ça encore. Nous te gagné chance parler avec plusieurs artisans qui exposaient pour la première
première fois et qui exposait des nouveautés. Et Gabi, nous capable de c'est très intéressant. Nous connaissons que nous riches parce que les artisans nous ont gagné un paquet de diversité, gagné un paquet d'imagination pour créer des produits locaux. Gabi permettent que nous venons à Haïti sur l'autre angle. Pas oublier que les artisans nous ont déplacé à l'avant. Donc, ces produits nous ont quitté terre d'Haïti pour aller dans l'autre pays. Donc, c'est vraiment intéressant pour nous capables toujours propulser. Produits locaux, Gabi, par contre, je suis d'accord avec moi que produits locaux, nous, c'est ça qui richesse nous. Et nous avons tout mis fin, Gabi, nous souhaitons que deuxième jour, là, un pile monde a fini, Gabi. Donc, c'est un plaisir pour nous partager, balade ça. Nous sommes capables de dire que nous avons marché sous le soleil, nous avons marché pour nous permettre les spectateurs de suivre. Nous avons dit, Gabi.